Salut Emmanuel. Salut Romain. Merci de nous recevoir dans ta belle agence. Avec plaisir. Les agences Primo et Vitrine Média, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Tu peux nous rappeler un petit peu l'historique justement? On est partenaire depuis plusieurs années. C'est notre partenaire sur la partie enseigne et sur la partie vitrine. Et aujourd'hui, on a essayé un nouveau support qui est formidable, qu'on a signé il y a peu de temps. Et quel support, les amis? Parce qu'effectivement, quand on voit ce que ça donne déjà quand on arrive en voiture, on ne voit que cette vitrine avec un écran qui prend l'entièreté de l'espace et qui est totalement révolutionnaire. Tu as découvert ce produit à quelle occasion? Alors, en allant à la rencontre de Vitrine Média sur le salon du Rent, on a vu le support affiché. On avait déjà vu ce type de support dans des autres domaines d'activité qui sont par exemple la pharmacie. Ça nous attirait bien. D'accord. Et là, il y a une résolution qui est tellement exceptionnelle qu'on a passé le pas et qu'on a été signé cet écran magnifique. Ouais, et la particularité surtout, la finesse du produit, évidemment, il n'y a plus du tout d'écran un peu épais, etc. On est vraiment sur quelque chose de très léger qui prend encore une fois l'entièreté de la vitrine. Qui prend zéro place et qui nous laisse voir tout ce qui se passe à l'extérieur, puisque du côté rue, l'écran projette avec une luminosité extraordinaire, avec des supports variés. Et à l'intérieur, c'est comme si on avait un léger film pour voir l'extérieur. Alors, depuis que tu as mis en place justement cette nouvelle vitrine, est-ce que tu as des retours de passants ou même de clients? Est-ce que tu penses que d'ailleurs, d'un point de vue purement commercial, tes négociatrices, tes négociateurs vont pouvoir faire la différence avec cette vitrine? Alors, complètement. On se rend compte que les clients ou les passants de la commune s'arrêtent énormément devant le support. Ça parle beaucoup, ça fait parler beaucoup, c'est ce qu'on recherchait. Les commerçants de proximité également. Mais pour un support dédié à l'immobilier, c'est vraiment extraordinaire. Et tous nos collaborateurs sont derrière ce projet. Justement, par rapport au message que tu souhaites faire passer dans ce genre d'écran, est-ce que tu as pu varier les contenus? Parce que là, aujourd'hui, je sais que tu utilises la version numéro 3 déjà de Visible Display. Oui. Est-ce que tu as pu justement mettre en avant certains points que tu ne mettais peut-être pas sur tes affiches traditionnelles? Alors, l'intérêt du produit, c'est qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut puisque c'est du sur-mesure. Ouais. On a été chercher des supports classiques comme de la communication sur des produits immobiliers, des affiches avec de la communication, mais également sur des supports type Instagram et autres, des profils de négociateurs, des communications pour des commerçants locaux ou pas locaux. Et c'est un support qui fait parler. Ouais, des vrais contenus, très variés en tout cas, avec beaucoup d'élégance, ça c'est sûr. Si vous aussi, vous avez envie de voir ce que tout ça donne, venez à la rencontre d'Emmanuel, il va vous expliquer tout ça, puis évidemment, de Vitrine Média qui pourra vous renseigner. Merci Emmanuel. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.